secondes. Langevin est à l'intérieur. Stevenson, deuxième couloir. 5. Ce sera un bon départ. Langevin et Stevenson. On se lance dans le premier virage. C'est Langevin qui, à l'intérieur, prend les devants avec le long shot. Deuxième, Rob Stevenson, le wet spot. Ça pourrait être un duel intéressant. Geneviève Bergeron est troisième devant Paul-Martin Mathieu. Messilier, cinquième, et Samuel Robineau, sixième. C'est toujours Éric Langevin qui a augmenté son avance sur Rob Stevenson. On complète un premier tour. Alors, bataille pour la troisième entre Paul-Martin Mathieu et Geneviève Bergeron. Messivier en cinquième place avec le CS43 suivi de Samuel Robineau. Une avance un peu plus importante pour Éric Langevin qui se reprend après avoir terminé sixième dans la première vague de qualification. Langevin qui a pris tout un départ dans le couloir intérieur qui augmente maintenant son avance sur celui qui est le meneur au classement, Rob Stevenson. C'est toujours Geneviève Bergeron, troisième. Paul-Martin Mathieu, quatrième. Et Métivier là, qui tente de remonter jusqu'en quatrième. On est à la mi-course. C'est toujours le long shot. Langevin qui a passé par toute la gamme des émotions pour gagner Valleyfield cette année. Par deux occasions, il est parti à la dernière minute des puits. Et là, Robineau qui va rentrer au puits avec le CS100. Ou qui va essayer de rentrer au puits. Il est immobilisé juste à l'arrivée. C'est toujours le team Bergeron avec Geneviève aux commandes en troisième, suivi de Paul-Martin Mathieu et de David Métivier. Et l'avance de Langevin n'a pas changé. Drapeau jaune pour indiquer la présence de Samuel Robineau. Alors, drapeau blanc pour Éric Langevin, un tour à faire. Il avait besoin de cette victoire pour en vue de se qualifier pour la finale. Deuxième, Rob Stevenson. Troisième, Geneviève Bergeron et la Métivier qui tente de s'embarrer de la quatrième place. Un demi-parcours à faire pour le meneur, Éric Langevin. Dernier droit. Et ça se confirme avec... S'il n'y a pas de pénalité, ce sera la victoire du long shot et d'Éric Langevin. Deuxième, Rob Stevenson. Wet spot, CS10. On aura un troisième. Le team Bergeron, conduit par Geneviève. Et ce sera une quatrième place pour David Métivier. Suivi de Paul-Martin Mathieu. Donc, c'est en effet ses qualifications 2,5 litres.
une autre qualification à venir en 5 litres et deux autres qualifications Grand Prix pour terminer cette première journée.